Retrouvez Clubhouse avec parionweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Clubhouse, émission consacrée à la conférence de presse. Nous sommes à 48 heures d'une des plus belles affiches de la prochaine journée de championnat, la 31e très précisément. Bordeaux se déplace à Lille. Dans quelques instants, vous entendrez Faïd Ben Kalfala, Jean Tigana et Anthony Modeste nous parler de ce choc entre Bordeaux et Lille à venir. Ils reviendront également sur le match nul obtenu à Chaban-Delmas. C'était le week-end dernier face à Arles-Avignon. Mais avant ça, vous l'avez peut-être lu ce matin, selon certains médias, il y aura bien un nouveau stade à Bordeaux. On devrait connaître le nom du projet retenu le 18 juillet. Le conseil municipal devrait valider, voter ce même projet en septembre. On a demandé à Jean-Louis Triot de commenter ce qui ressemble à une bonne nouvelle. Dans la presse ce matin, on apprend, Président, que le projet de nouveau stade est sur les bons rails. Il se fera. C'est plutôt une nouvelle qu'on peut accueillir avec bienveillance. En revanche, c'est un peu paradoxal, il se fera, mais pas forcément au coût initial. Votre réaction ? Bon, écoutez, je vais retenir juste le côté positif de l'annonce et de l'article. Il se fera, voilà. Bon, c'était pas gagné d'avance. J'avais quand même quelques inquiétudes. C'est vrai que dans un contexte difficile... On avait beaucoup de supporters pour le stade, mais il y avait aussi des adversaires qui faisaient remarquer qu'il y avait peut-être d'autres investissements plus utiles aujourd'hui. Mais là, on est dans un contexte très favorable, c'est-à-dire avec l'euro en France, un financement de l'État. Et on le sait, un stade obsolète chez nous, à Chaban-Delmas, c'est la preuve. Il y a une tribune qui est toujours fermée parce que dangereuse. Donc on savait qu'à terme, il fallait faire un stade. Alors le contexte étant favorable, il fallait le faire sans attendre. Bon, même s'il y a effectivement aujourd'hui des priorités ou des chantiers importants à réaliser. Voilà, le contexte fait que on ne pouvait pas attendre. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, bon, il coûtera plus cher, ça c'est moins bien. Enfin, je crois que... On ne connaît pas le dossier, nous. Hein. C'est un partenariat privé-public donc, qui ne concerne que les candidats et la mairie. Les Girondins seront juste là pour participer au financement et simplement à ce stade. Mais si j'ai bien compris, il y avait un dialogue compétitif en cours qui a pour but de faire rentrer le projet dans les clous, c'est-à-dire dans le budget proposé. Donc, parler de surcoût aujourd'hui ou de coûts plus importants, je ne sais pas si c'est pas un peu prématuré, attendant la réponse des entreprises candidates à la fin du dialogue compétitif. On verra bien. La prochaine date clé, c'est le 18 juillet, date à laquelle on connaîtra donc l'entreprise retenue par la mairie. Un mot dans le contexte sportif qui est ce qu'il est. Voilà, tout simplement, on accueille, j'imagine, avec plaisir ce qu'on lit ce matin. C'est de nature certainement à... Allez, enthousiasmez un petit peu, non ? Ça ne changera pas ça changera pas la qualité de nos résultats et de nos prestations cette saison. Mais enfin, un stade, le précédent a duré 70 ans, celui-là est appelé à durer. Donc là, c'est un projet qui concerne l'avenir. La saison, elle n'engage que les mois et les semaines à venir, et heureusement pas au-delà d'ailleurs. Donc ce stade, il est pour le futur. Place à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui au Haillan à 48 heures d'une des plus belles affiches de cette prochaine journée de Ligue 1. Les Bordelais se déplacent à Lille. C'est une rencontre entre le premier et le huitième de ce championnat. Les Girondins restent sur deux matchs nuls peu satisfaisants. Une défaite pour les Lillois, c'était à Monaco. Ce déplacement et le contexte actuel, qu'en pense Faïd Ben Kalfala, Jean Tigana et Anthony Modeste? On les écoute. Comment on aborde ce match, le premier, après ne pas avoir réussi à battre le dernier? Bah, comme d'habitude, avec l'envie de gagner ce match, même si on sait que c'est un match qui va être très difficile, dans lequel on va souffrir aussi. Maintenant,
Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu deux au mur. Et à chaque fois qu'on l'a été, on a su répondre présent. Et puis c'est un gros match. Donc il n'y a pas 150 discours à faire. On sait que question motivation, il n'y aura aucun problème là-dessus. Maintenant, on sait que c'est un match qui va être compliqué, dans le sens où c'est la plus belle équipe du championnat, c'est le favori pour le titre. Mais on y va avec beaucoup d'ambition aussi. Et puis avec l'envie de se racheter par rapport à ce qu'on a fait ces derniers temps.